Le Gossima, est-ce que ça va? Ouais. C'est le main event, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Donc MC, à ma droite. Rest Turner, voilà, ça vient du 06, tranquille, je suis ravi d'être là, ravi d'affronter Parano. Gros big up à tous ceux qui ont clashé avant, c'était vraiment bon pour ce que j'ai vu, donc j'en ai. Et voilà, on va tenter de donner ça au mieux, let's go, c'est parti. Ok, Parano, Belgique, salut tout le monde. Pour ce battle, j'ai commandé une entrecôte, cuisson bleue. On va voir ce qui se passe. Ça va être genre History. Genre History. Let's go. Res. Allez, bouge, te plaît. C'est écrit que je te détruis. T'es sans fond générique. Mais je commencerai ce couplet par où t'étais. Comme une chanson de Ménélic. Invité par des... Non. Moi, je te croyais en tôle où je t'imaginais dans un décor tropical ou à la morgue l'hôpital. On se demandait tellement où t'étais que beaucoup t'appellent Ornicard. C'est pour ça que je te respecte pas. Je préférais Six Allemands fâchés ou le taf de Mengele. Là, c'est même plus les ligaments croisés, tu t'es Ousmane Dembélé. Oh. Donc, je te conseille de te faire tout petit. Je suis recordman des participations au RC. J'ai performé dans trop de ligues, 2 battles en 1 mois, je compte pas flipper. Je performe quand tu roupies, seul Freddy à mon palmarès, dans ce game pot, oh v'là l'idée. T'as décidé de courir vers l'oubli, je continue de marcher dans l'immortalité. Donc si tu tiens à la vie, file, c'est par là. PSG, PSG, ta gueule, tes textes sont tout le contraire. PSG, PSG, ta gueule, tes textes sont tout le contraire de Messi, ça marche pas. Donc Théma. Faut le temps que ça arrive. Donc Théma, entre nous l'écart est notable, je suis du genre terre à terre. Tout ce que le mot rap m'amène à être. Tu sais, cette musique au format protestataire qui porte ses couilles hors toi, t'as une prothèse à refaire. Pas besoin de remonter tes épaules plates, on voit que ta coupe de Vlotra pèse. Une punch et votre vedette tombe bien bas, ça c'est un pack star. Terre, puis on sait que c'est Maras qui te ghost right, heureusement que son Casper. T'es trop fade, même mon assiette t'agresse. Face à moi, t'es à peine potable, la flemme paresse. Et t'es lâche et bof, ton parcours passe en triche. Marshall, franchement, je plains ses proches. Tantis, pavane, t'as ce côté beauf, mais il se croit plutôt pensif, ce gars-là. Mais de face, t'es moche, de dos une go, ou Francis Lalanne. Ouais, t'es ce vegan aux propos ordurier. On peut dire que c'est gênant. Combien d'animaux torturés pour tester ton champ pour un démêlant? Tous tes projets sont en terre. C'est par conviction, non pour les thunes. T'attendais qu'il soit un légume pour te rapprocher de ton grand-père. C'est méchant, ouais, je sais, elle est méchante. Ton véganisme est dangereux. J'y vois un gouffre et l'escalade, je ferai tout pour étouffer ce sale lâche, vous êtes trop fixé. Je peux pas en douter, c'est ça le drame, 92% de vaccinés, 92% qui aiment bouffer des salades. Donc, je suis de retour tranchant que la concusse bouge, toi t'as pas de statut mec, je bouscule tout. Je pèse plus que le double, vous consume tous, mais toi t'es sans viande. Donc pas une merde, flûte du coup, t'es juste une bouse. Time. Yeah. Hey, t'as parlé de Matignas. Moi, je vais te niquer par la prose. Tu sais quoi? Tu sais, je te sors des faces, ça te met des coups à la gorge. Quand t'en sors, toi, on trouve ça atroce. Tu sais quoi, poteau, parle pas des cheveux. On est en 2022, t'as une coupe à la brosse. Oh. Et puis, gros, tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Attends. Attends. Tu sais quoi? Hey, vous avez entendu son truc, franchement? Matez-moi ce gland qui se pavane. Mais je choque des classiques comme Frank Sinatra. Poto, c'est au-dessus de ta tête que je brandis ma lame. Je vais te laisser plus de 36 balafres. Ça fait quel effet de te faire baiser par Francis Lalanne? Allez. Ça, c'était pour le shampoing. Ok, bon, moi, avant de commencer, à la base, je voulais dire un truc. Parce que je suis un rappeur, comme tu disais, en plus, pour des messages, tout ça. Mais tout à l'heure, j'ai croisé un mec devant la salle.
Et le mec, il me dit, mon pauvre, c'est vrai que les bons mots, tu contrôles, mais protège ton dos, car ça fait un bail que t'es parti sur tes compos. Maintenant, c'est ce genre de clown qui contrôle. Ce belge est venu prendre son trône comme ils l'ont fait au Congo. Je dis, attends. Il fait, attends. Ok. Donc le mec me dit, mon pauvre, c'est vrai que les bons mots, tu contrôles, mais protège ton dos, car ça fait un bail que t'es parti sur tes compos. Maintenant, c'est ce genre de clown qui contrôle. Ce belge est venu prendre son trône comme ils l'ont fait au Congo. Je dis, attends, il fait partie des meubles, ce qu'on te bof. Donc je suis venu le niquer, lâcher des combos et kicker sur le pilier de ce game comme si j'étais Tong Po. Oh et... Puis il me dit, mais mec, c'est le Zbeul, tu comprends pas, lui c'est Main Event sur Main Event, toi, tu dois faire tes preuves. Je dis, attends, là mon ref, t'es gentil, mais moi dans le HH j'ai grandi, pense-y. Donc je suis venu poser mes barres sur cette tête d'affiche comme s'il était wanted. Yo. Et là le mec me retient par la main, il me dit, s'il te plaît, lui fais pas de mal, il a que des barres simples. Je me retourne et lui réponds, bon, maintenant il y en a marre, ça suffit K5. Hey, ici, il aura pas de nicta, mère, rien à foutre si on pige pas le del, je suis là pour rapper, kill ça, des skills fat, et ce qui se passe, c'est que je viens choquer comme Nem avec une kippa ou driver dans une pub Slim Fast. Si je trouve ce type nice, là, tu vois ma tête d'un air, c'est mort, moi, j'ai des rimes guerrières, c'est lourd, toi, t'as rien à foutre là, comme le Renoir derrière Zemmour. Hey, je suis la raison de la création de Mahadou Live. Waouh, tranquille, ça va le boulard. Hey, t'as trop d'ego. Tu te crois hyper solide, toi? Je suis le battle rap. Pour celle-ci, il semblerait que personne n'y croit. Oula, couze, pour la coupe, c'est raté. Tu touches pas tes adversaires et ça saoule la foule. Tes rampes font tourner autour de toi. Tu fais du oula oup. Pour l'amour du BR, ils me disent, allez, faut que tu kills taré. Si je conne, la note sera salée et ça, tes adjo le sauront. Moi, si mon rang se met autour de toi, tu disparais, comme si c'était là notre sauron. Tu sais, devant cette salle pleine, je veux dire Psartek pour le battle contre Marco et Milo, mais je m'arrête parce que vous avez convenu un tas de règles, mais tu les as pas tenues, hein, sale traître. Oui, je te jure, ça demande de pas insulter la famille. Puis dans le battle, tu traites Marco de fils de pute. Tu nies, attendez. Véridique. En story Insta, le gars s'explique. Et c'est là que ça devient technique. Hey yo, c'est parano. Ouais, il a cru que je l'avais traité de fils de pute, mais il a pas bien compris. Car j'ai dit que c'était un fils de pute, mais je voulais pas vraiment dire que c'était un fils de pute. Bah ouais, mais je vois pas le problème. Pareil, mon bro, tu sais, quand je dis que t'es qu'une grosse merde, bah c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux dire vraiment, c'est que t'es qu'une grosse merde. Et ton métier, c'est éducateur. T'as beau être réputé ma mène, avant de vouloir encadrer des gamins, commence par t'éduquer toi-même. Et attends, j'en profite là. Les mecs d'internet, les battles là, c'est pas la vraie vie, hein. Ouh, la déception. Tu sais qu'on dit à un adversaire que c'est une grosse baltringue. Bah ça veut pas dire que... Bon, il y a des exceptions. Et toi tu gauleries, mais tu sais qu'il a un tatouage de lyriciste? Tu sais ça? Ouais. Genre, il sort des grandes œuvres, Sonigo. Mais vu l'idiot, je prends ce grand que je l'étrangle, puis j'ose, je te fiste avec ton propre bras. Tu finis une plume dans le cul comme une danseuse du Lido. Oh. Time. Je suis un peu choqué que le truc sur le Congo marche, tu sais, étant donné votre passé colonial, mais bref. Alors, et puis machin, rien que Francis Lalanne tue palabre, tout ce que Francis Lalanne aime niquer, c'est des arbres. Tu vas t'en prendre un. Mais, soit, j'espère que ton déplacement est à tes frais. Je vous décris brièvement la scène. En me foutant cet adversaire, on voit que c'est crèvement la race. Faut que je t'explique. T'as jamais rien eu d'une pépite. Le RC t'a lâché dès que plus contrainte de tenir. Vous voyez les derniers battles de ce bête type Maras, bitch. Bah j'ai trouvé respire. Et ça sert rien de le dire.
Tu vas pas mou? Si. Je te bousille, coule sa poussie. Je te trouve coussa coussie, tout adouci. Pour tchac, pour tchic, un sa Gucci, merde. Ça, c'est un couplet d'Andre raccourci. Comme lui, t'es face, c'est que des phares, je te promets une mort express. Attends. Comme lui, t'es face, c'est que des phares, je te promets une mort express. Tu crois que t'es court, extrême droite, mais je te bute. Personne sera plus en paix, cresse. Toi, t'as tout d'un vieux mec. Tu te prends pour une tempête, et t'arrêtes. Et puis tu te prends pour un dieu grec, donc je viens faire la guerre à Rès. Tu vois, c'est ça le battle rap. Ça, c'est le battle rap. Donc, pour moi, t'es pas un homme, quoi que tu penses, je sais que t'espères. Un nouveau vent, mais t'arrives comme une flatulence. Quel respect. Et pour moi, t'es personne. Attends, merde, putain. Pour moi, t'es personne. Ça, c'est que des restes. T'es un chien qui suit les ordres. C'est R.S. Faut le temps. Donc, ouais, faut le temps. C'est pas un retardement. Ouais, c'est un retardement, toujours. T'es bon? Même toi, tu sais plus qui t'es. Être mauvais, ça sec ton rang. Tu te crois plus flot qu'une rivière, mais je te bouffe même un restaurant. Du coup, sois en feu, tu nous ramèneras du reste chauffé. Même ta version super-héros, pas dangereux, ne fera de toi qu'un rescapé. Du coup, je vois que t'es inquiet. Ouais, t'as l'air inquiet, tu le sais. T'as l'air inquiet, tu le... Putain, je suis désolé, les gars. T'as l'air inquiet, tu le sais. Normal, tu vas payer ta dette, reste dealer. Tu vas dévaler la pente comme Uliel. Tu tenteras d'être un reste skieur. Donc, tu te penses... Tu crois... T'es une tempête, tu penses? Ouais. Arrête ton char. Tes rimes sont plates comme une planche et ça, t'en es responsable. Puis tu t'es mis au judo, mais on n'oublie pas. Tu t'es fait tourner par Donny plus tôt. Personne n'était prêt pour un tel spectacle. Toi, tu t'es fait tourner sur le bureau, mais pour toi, c'était respectable. Et nos styles, rien à voir. Avec ta dégaine qui fait des tresses d'enfants, faudrait un enterrement à l'africaine pour y voir un truc ressemblant. Donc, pour les moins de 16, faudra qu'on censure mes vers. Toi, tu me traiteras d'ordure terrestre. Mais tes plans tombent. Allô, je t'encule, terrestre. Time. Marche pas. Ça me va ou pas? K5? K5, ça me va ou pas? Ah, ok. Gaëtan, mon petit, ça va? Très bien, très bien, très bien. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, cas d'étude. Et je vous le cache pas, un gros boulot s'impose. Le patient souffre de paranoïa et de moult autres symptômes, dont une grosse carence en technique qui fait que si j'explique mes textes ici, il se vexe et s'excite comme après la question de trop. Mon lexique ex qui décime, mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si tes textes sont sous avant. Je t'exile, vas-y, spire, expire, ça ira mieux après cette injection de flow. Ouh. Dans une interview, il a dit tout fier. Tu as dit tout fier et tu dois te rappeler. J'ai la maladie de l'écriture depuis 12 ans. Waouh ! C'est qu'il trouve ça swag. Traduction, ton écriture est malade, mais t'inquiète, ça soigne. Puis 12 ans, ça laisse des signes. Le défi est balèze, mes chignes. Bien outillé, j'ai des scalpels, des scies. On va commencer l'opération. On a déjà eu 2 couplets de parano pour l'anesthésie. Mon petit Gaëtan, c'est pas que t'as trop de mauvaises rimes, peu ou pas de modestie, mais ton style est soporifique. Regarde le public, tu crois que t'es sale, Molexite? Tu nous endors quand Parano s'exprime. J'ai l'impression d'être un patient pris sous gainement de narcolepsie. Personne t'aime, t'es une mycose vaginale. T'es mou.
t'es mou, ça me rend fou, du coup j'agis mal, je fais peur, je vais te bouffer, je transforme le docteur en cannibale comme Hannibal Lecter. Façon docteur Jekyll, l'âgerie, j'attaque, le pire médecin psycho tout droit sorti de l'asile d'Arkham, genre la manie version sadique barbare. Du coup, pour l'ordonnance, je vous ai noté des coups de pied dans le crâne, ça sera pas doux et sans trace, il se pourrait que t'en baves, on est plusieurs à faire la queue pour bouille avant bas. Il y avait de boug avant moi, mais ce couple attendra, car avant je fais passer mon zinc, il a un zboub de panda, large comme un double avant-bras, c'est dégueulasse, mais ça va couler en toi. Tu gardes ou pas? Hé, hey, attends, attends, attends. C'est dégueulasse, c'est pas propre. Ok, vu que c'est dégueulasse, c'est parti. Yo, des coups de pied dans le crâne, ça sera pas doux et sans trace, il se pourrait que t'en baves, on est plusieurs à faire la queue pour bouille avant bas. Il y avait deux couples avant bois, mais ce couple attendra, car avant je fais passer mon cous, il a un zboub de panda, large comme un double avant-bras, c'est dégueulasse, mais ça va couler en toi. Il y a même un petit vieux qui s'est gouré d'endroit. Mais dites-moi, jeune homme, vous qui êtes dans le rap, aimez-vous le foutre les tampax? Bonne idée, je vais lui enfourer dans le crâne, en passant par ta bouche et que t'aies la gorge en roue et je m'en tape. Si je prends ton poutre mais prends pas, c'est pour être rentable, être sûr de pouvoir continuer te la bourrer dans le calme, te rentrer toutes sortes de jouets, une poupée en bois qui dit je s'appelle Groot, vu ta boulet, des clous et j'en passe, jusqu'à que ton boulet décroute et que s'enflamme, sur ton boule j'écris bourré en gras, pour que dedans tous les gens passent. Mais le plus sale dans tout ça, c'est que je te laisse nu et souillé dans le tram, un casque sur la tête avec non-stop des couplets dans drap. Oh. C'est à renouveler matin et soir. Bien. Gaëtan. C'est inquiétant. C'est plus bas. C'est inquiétant, j'entends pas le pouls là. C'est plus bas, c'est normal. Ce frère me choque et me bluffe. Car là, soit je l'ai tué, soit mon stéthoscope marche pas. Et mon stéthoscope est neuf. Bref. Je suis un shooter vaillant, flow tranchant, elle met des coups de cutter ma langue, le docteur te l'apprend, je t'ai exterminé, le parano finit trauma comme à la fin de Shutter Island. Time. Vous voyez cette manière-là, flow, de mettre plein de mots qui servent à rien, rien que pour pomper du temps. Ouais, c'est vrai, de temps en temps, c'est vrai, mon style est un peu, tu sais, mais moi, j'essaye pas de faire des phases pour combler par du vent. Putain, je l'ai mal fait, hein. Ouais, je l'ai mal fait. Bref, faux flip, on a compris, le fond est là. Bon, c'est à peine si on t'accueille et tu crois qu'on te congratule, c'est l'erreur. Si je me retrouve face à toi après tellement de battles, c'est que j'ai déjà combattu les meilleurs. Il reste que toi, le champion du monde, end of the week, reste zen, t'y as consacré tant d'heures. Tu crois que cette pub t'amène les splendeurs et grandeurs? T'es champion du monde du fin de semaine. T'es l'empereur des glandeurs. C'est nul, même si tu le hurles les poings serrés. T'es juste celui qui dit le truc le moins pété. C'est vrai que t'es un vrai boss de cette ligue. Une petite enquête vite fait, toi capte. Qui écoute en boucle les end of the week? Voilà. Mais même eux les écoutent pas. T'as les rimes les moins chères pour des faces discount et une tactique floue. Moi j'enfile toute ton équipe en bois sur mes bars sprit groupe comme au baby foot. C'est atroce, personne vous écoute, ça a dû te blesser, à tape s'il faut qu'on parle. T'es bien plus reconnu pour ta place bas de carte du RC que pour ton titre mondial. Donc, moi aussi, je trouve qu'avant, c'était mieux. Maintenant, j'affronte des champions du monde d'impro-poésie, niveau CM2. Ouais, t'es bidon plein pot et tu te surestimes, c'est un truc sidérant. Ton parcours prouve que t'es bon pour l'impro, mais niveau écriture, ici, on n'y voit aucune différence. Et puis, tu fais le beau aux éditions. Tu exposes ta femme, mais elle s'emmerde, pote. À chaque fois, tu te plains, tu radotes. Moi, je me demande pas qui porte la culotte, mais qui porte la ceinture à God. Tu m'emmerdes comme Macron, l'écran de fumée. Tu veux que je te nique? On dirait que t'attends que ça. Je te dirais bien d'aller te faire enculer, mais je sais que tu kiffes et que ta femme s'en charge.
Donc, pour ça, t'es à peine pardonnable, tes écrits façonnables, ton membre se raidit face au mal, mais t'as le caleçon plus vite que l'armoire à trophées de mon équipe nationale. Donc, écoute, il y aura pas de pop-pop-pop. Technique, j'ai les kicks de crocop. Me fous de ton flow chronopost, de quelle branche descends-tu? Surveille tes propos-pop, gèle ton monocorde, mets-toi une chance de pendu. Et t'as sorti une pléthore de trac. Peut-être quel bord de droite. RC Rohr, je frappe, celle d'Elbor de Barce, un écorché trave, je te saigne pas, je t'égorge rap. Fais gore, mes forces lâches, tes robes, c'est pas le même décor de balle. Vegan, fémène, égorge sale, toi niveau merde, t'es quelle sorte de sac? Je grave ton blast dans mon Death Note, je gratte, je décode, vous offre the end of the whack. Donc, moi je suis venu voir ce que t'as dans le ventre. C'est mon freestyle bag, je viens de t'étriper. Puis c'est cool, tu leur as prouvé avoir du répondant. T'as juste prouvé que je te fais flipper. Time. Yeah. Bah, tu sais, tu parles beaucoup, mais tu sais très bien que je te dégomme. T'as parlé de Death Note, je suis QB, ce soir t'es la pomme. Truc de connaisseur. Et puis, tu sais quoi, après ce battle là, pour toi, bah, je pense que c'est éjection. Tu sors même pas des punchlines, tu sors des déjections. Tu parles du end of the week, t'as même pas le niveau pour passer les sélections. Yo, vous kiffez le rap français? Bien sûr. Voilà, lui, il kiffe grave le rap français. Et là-dessus, on est synchro comme deux clones. Du coup, Docteur Rez va te faire mal, mais tu vas kiffer, comme si t'avais syndrome de Stockholm. Et oh, dans cette même fameuse interview, il dit aussi... J'ai découvert le rap avec Mano. Time, time, on arrête. Dans cette interview, voilà, il dit aussi... J'ai découvert le rap avec Mano. Comment ça se fait que je suis pas surpris? Non, je donne le... Je donne le la comme Compton, mais face les cœurs cons. Parano, c'est le type qui subit l'enfer quand le boss cogne et qui par Mano aime ce qui est celtique. Moi, je te rends vert comme ce Boston. Et oh, Mano, quoi. Il fout le seum, mais tant mieux si ce connard se nique tout seul. Moi, mon flow, des vagues. Et même si quelques doutes subsistent, pour que tu finisses étalé sur l'ino, quelques gouttes suffisent. Hé, hey, une fois au sol... C'est clé de bras, je maîtrise ce grand saucisson. Il se retrouve à quatre pattes devant le docteur tout à l'heure en disant « Qui prétend faire du rap sans prendre position ?» Eh, hey. Dans tes couplets, c'est plaï à R. Retour à la clinique pour une néothérapie. T'es mou, à côté de toi, on trouve droupi et doc gynéco rapide. Ton cerveau... Ton cerveau... Ton cerveau ressent la pression quand je punch. Je mélange gynéco et neuro. Tu sais que j'ai raison d'enjeu. Tu vas sortir de cette première consultation avec des lésions dangereuses. Oh hey. Hey. On fait le bilan. J'envoie Jackie disque, ton flow est monotone. T'entends pas ou quoi? T'aurais dû t'appeler sonotone. Et tu te sens chaud là? J'en doute peu. Mais tu sais ce que la foule veut? C'est que si ce soir tu joues les pyromanes, bah je serai le couvre-feu. Et dis-moi, truc, je t'ai déjà dit que t'avais une phase de chat de calmicose vaginale? Ouais, si, ok. Et, mais tu t'en sors bien parce que je défends la cause animale, donc je trouve ça pas si mal. Et si tu veux, en une punch, t'arranges ta face de vaurien. Pas besoin qu'on débarque à 5 avec 4, marque à 5 ou même 7. Gecko pour que tu manges une patate de forain. Oh, tu joues les bavards sur scène, mais si mon camé a touché, c'est sûr. D'après la rumeur, c'est ici que Parano mourra des coups et blessures. Tu nous emmerdes comme si t'étais Macron. Et sache que les gens le savent bien. Et puis t'emmerdes, t'emmerdes, t'emmerdes à leur tour comme si eux étaient Jean Gabin. Yeah. Me défier. Le pire, c'est que le poteau ose. Ce battle, c'est un peu Valde contre Booba dans un octogone. Easy. Donc je m'esclave devant ce gentil fils qui se voyait déjà sur le trône brandir le titre, mais pour voir qu'il y a moins de 0,9% de chance ici que ça se fasse dans le futur, pas besoin de 45 scientifiques. Non. Hey. Hey.
Que ta carrière repose en paix sous une dalle dans le nord. Gaëtan, je te porte le mauvais œil, je vais gagner encore. Je plaide coupable, ils retrouveront mes rimes à l'autopsie vu que je laisse Gaëtan mort. Time. Merci. Ok. Rendez-vous à la prochaine édition. Merci à tous.